Bon les gars, avant de rentrer dans le dur de la vidéo, petit préambule. Surtout, n'oubliez pas que toutes les cultures se valent. Toutes les cultures se valent. Si vous pensez que certaines est moralement supérieure, vous êtes un faf. Voilà. Vous faites partie du problème. Voilà. Je souhaitais faire ce préambule parce que on va regarder une vidéo effectivement qui peut-être, je dis bien peut-être, porter à confusion. On peut se dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Alors de toute façon, je pense que vous avez dû voir le titre. Alors j'ai pas encore trouvé le titre hein, à l'heure où j'enregistre la vidéo. Généralement, je trouve le titre et la miniature après avoir fait la vidéo parce que alors je sais de quoi parle la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Je me suis un peu imbibé de l'esprit de la vidéo, mais j'ai pas toutes les informations. Donc déjà, le peu que j'ai vu, c'est du balèze. Et j'imagine qu'avec le titre et la miniature que j'ai mis, enfin que je vais mettre, du coup, vous avez une petite idée de quoi ça parle, mais bon, surtout, je le répète, toutes les cultures se valent, c'est comme ça, ok? Si tu penses qu'il y a des trucs qui sont mieux que d'autres, tu es le problème, tu es un faf. Voilà. Maintenant que l'introduction est terminée, regardons cette merveilleuse vidéo. Et par là, Oups! Désolé. je couche avec mon père depuis que j'ai 16 ans. 3 secondes. Depuis 16 ans. Commence fort, hein? Ah là, on est bien là. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je vis toujours dans la maison familiale, mais j'entretiens une relation avec mon père parce que je l'aime tellement. Je n'ai pas pu aimer quelqu'un d'autre que lui. Je l'aime tellement. Ce que je ressens pour lui est très fort. Quand je dis fort, c'est très fort. Je ne peux pas passer une journée sans lui voir. Je ne peux pas passer une journée sans discuter avec lui. Bah, si t'habites dans la maison familiale, effectivement, puis j'imagine que ton père et toi pas beaucoup bossé, hein, vous devez être 14 frères et sœurs, donc s'habille de la CAF. Bon, bah si tu peux pas passer une 100 journées sans le voir, c'est normal, hein, ton père est chômeur, et puis bon, j'imagine que toi t'es pas cadre, hein, ça m'étonnerait. Attention, peut-être que je me trompe, si je me trompe, et que tu passes sur cette vidéo, mes plus plates excuses. Mais j'en doute. Aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. Il fallait que je fasse un bilan général. Et par là, on a constaté que j'étais atteinte du VIH. Ok, j'avais pas été aussi loin. Là 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 là. Moi, je m'étais arrêté juste avant. Et très sincèrement, je pensais qu'elle allait dire qu'elle était enceinte. Voilà. Et déjà, c'était une bombe. Mais là... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait un moment que je me suis renfermée dans ma chambre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Même à mon père, je ne sais pas comment lui annoncer que j'ai le sida. Sans oublier que je ne couche qu'avec lui. C'est C'est lui qui m'a dit. lui qui m'a dévergée. Et pas possible. C'est catastrophique. Plusieurs possibilités. J'en vois trois. Soit elle ment. C'est une possibilité. Soit son père, il est vraiment très très chaud du Chibrax et il va voir partout. Du coup, il a chopé un truc et il l'a refourgué à la fille et j'imagine à la mère. Troisième possibilité, c'est la mère. C'est la mère qui a été voir ailleurs. Ou alors, quatrième possibilité, je n'y avais pas pensé, comme bon, j'imagine qu'ils doivent être 15 hein, dans la famille, hein, bien sûr. Voilà. Peut-être que le père, voilà, est vraiment très très chaud du Chibrax. Il fait pas ça qu'avec elle, tu vois. Et du coup, c'est l'un des autres gamins
qui a propagé ça parce que ça vient, voilà. Donc c'est les quatre possibilités. Les quatre possibilités me font terriblement peur. Voilà, il n'y en a pas une. Tu peux te dire, oh, ça va, c'est absolument. Qu'est-ce que c'est que ça? À parler, tu n'y personne d'autre. S'il vous plaît, comment faire? Je veux. Comment faire? Serait-ce un appel à l'aide? C'est compliqué, hein, comme vidéo. Bon, déjà, soyons rationnels. J'espère que c'est faux. Voilà. Là, quelqu'un vient me voir, me balance cette histoire, je me dis, oula, oula, oula. Soit dans la mythomanie, il est très avancé. Soit on a tous des relations familiales différentes. Voilà. Il y en a, ça se passe bien, il y en a, ça se passe de façon moyenne, il y en a, ça se passe pas bien. Et quand ça se passe pas bien, il y a différents degrés. En fait, c'est ça se passe pas bien parce qu'il y a ça manque de communication, ça se passe pas bien parce qu'il y a des violences, ça se passe pas bien parce que bah, il y a des V, etc. Enfin bref, des choses immondes. Mais on a tous des relations familiales différentes. Si quelqu'un vient me voir et commence à me sortir ça, là, tu te dis qu'au niveau de la famille, c'est balèze. Alors, j'espère tout de même, blague à part, que c'est pas vrai, hein, parce que sinon, c'est quand même incroyable. Mais avec ce qu'on a déjà tous entendu, avec, bah, on sait que certains ont moins de limites que d'autres, hein, du fait de leur culture, etc. Sont plus, voilà, c'est pas, suffit d'aller voir le taux de consanguinité, par exemple, en Algérie, qui est absolument, enfin, enfin, il y a un nombre incroyable d'enfants qui naissent un peu parce que bon bah les parents ils sont cousins quoi tu vois, voire frères et sœurs. Si vous savez pas, allez voir. Hein. À longueur de journée, on voit ces gens dire oui en France il y a des pédos, blablabla. Ok, mec, tu viens d'un pays, l'Algérie, où la consanguinité, c'est je crois c'est un couple sur quatre, je sais pas quoi, enfin, c'est un truc incroyable, voilà. Voilà. Après, on se demande pourquoi il y a des fous furieux. Bon, bah, quand ton père, c'est ton oncle, disons que ça part mal. Voilà, ça part mal. Voilà. Donc bref, ça existe. Ça serait pas la première fois, ça sera certainement pas la dernière fois. Moi, je vous le dis, hein, je souhaite que ça soit pas vrai parce que je trouve ça horrible. Mais en soi, c'est pas quelque chose qui pourrait. Enfin, c'est pas le truc le pire que l'on pourrait voir. Enfin, c'est des choses qui existent, voilà. Donc, bon, si tu passes par là, je ne sais pas quel est ton prénom, je ne sais pas comment tu te nommes, etc. Fais-moi signe, hein, si tu veux, on peut en discuter. Voilà. Si tu veux ton droit de réponse, je te l'accorde, pardon, gros volontiers. Donc, voilà. Madame. Je sais pas c'est quoi ton prénom. Manifeste-toi et on en parlera. Mais en tout cas, son père, si c'est vrai, si c'est vrai, un gros gros chaud du slip. Hein. Bon bref, ciao.